Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Je suis donc dans la cabine de commentateur, accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca. On va vivre ensemble ce match passionnant et l'affiche est belle, le match s'annonce sous les meilleurs auspices. Vous savez bien que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mon amour pour la balle et les mots qu'elle inspire. Nous allons vivre une manifestation amplifiée et ravivée de la pensée. C'est pas très bien défendu et donc il y a un coup franc pour l'adversaire. Avertissement sans frais pour l'instant, pas de carton. Très bien, elle fait de la prévention. La répression, ça sera pour plus tard. Ah là là, la mauvaise passe. Et voilà la composition des Azzurri. Lucio avec Alaba en défense centrale. Et enfin Rudy Voleur pour occuper l'attaque avec Jean-Pierre Papin. Oh, attention à ce ballon. Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire là. Mbappé. Et attention, ça peut payer là-dessus. Elle frappe en force à mi-distance. Il y avait de l'idée, vraiment. Ah, c'est peut-être le moment là, d'évoquer le renard des surfaces. C'est évidemment Rudy Voleur. Sa caractéristique, on la connaît. C'est sa lucidité, sa précision. Son aptitude à être dans le bon endroit avec le geste juste. Ses qualités de finition te donnent une grande sérénité quand tu rentres dans la surface. À côté, la frappe était pourtant bonne, mais c'est manqué. Valeur. Les Azzurri qui peuvent se projeter. Ça joue avec Voleur. Christian Eriksen reçoit le ballon. Oh, attention, JPP. Goal. Et voilà le premier but de ce match. Celui qui fait beaucoup de bien. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Kaka. Aïe, 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 rien de positif finalement là-dessus. Kylian Mbappé. Et la passe est interceptée. Et le centre est détourné par la défense. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et ça joue avec Messi. Et ça part très bien. Mais c'est pas possible. C'était l'occasion, jamais, de revenir à hauteur des adversaires. Vraiment incompréhensible. Forsberg qui reçoit la balle. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Mbappé. C'est pour Tchouaméni. Forsberg qui reçoit la balle. Le ballon pour Forsberg. Et ça joue pour Tchouaméni. Le ballon pour Ruben Neves. Le ballon rendu à Ruben Neves. Alex Telles qui reçoit la balle. Et ça joue pour Tchouaméni. La frappe contrée, sans souci. La possession n'est pas vraiment pour les Azzurri. Et pourtant, ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est sa maîtrise d'autres éléments très importants dans le football. L'espace et le temps. Sans toucher plus le ballon, elle arrive à être beaucoup plus dangereuse. Et justement, c'est l'occasion de créer à nouveau du danger, là.
un ballon rendu à l'adversaire. Kaka. Voilà une belle tentative, malheureusement, c'est bon. Et le score, pour l'instant, ne bouge pas, avec ce toujours petit but d'avance. Kylian Mbappé, une possession offensive là, pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Kaka. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Et le gardien était bien vigilant. James. Mbappé. Ballon intercepté, bonne intervention. Super progression dans la moitié adverse. Ah non, finalement le ballon est perdu. Kylian Mbappé. Avec Kylian Mbappé. Mbappé, la frappe. Ah non, c'est contré. A une occasion de revenir au score avec ce corner. Eh oui, le tir. C'est dégagé, aucun problème. Avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle à la mi-temps. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Et ça passe sur le côté, il y a un peu d'espace. Ah, il peut frapper, c'est un moment important. Quelle intervention! Rudy Völler. Kaka. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. Et bien sûr que l'arbitre signale la faute, le coup franc à suivre. Et le coup franc était cadré, mais c'est parfaitement capté par le gardien. Kaka. Ouais, facile pour le gardien, aucun danger. Messi. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. Messi. Intervention défensive, le ballon en touche. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Allez, pourquoi pas un tir ? À deux doigts de marquer son deuxième but du match. C'était sans compter sur le gardien. Il a eu le dernier mot sur cette action. C'est pour Alex Téliès. Ouais, bien joué. C'est une bonne percée là dans le camp adverse. Et le centre est détourné par la défense.
Jean-Pierre Papin. Ah, c'est une mauvaise passe sur l'adversaire. Et le bloc reste bien bas pour obliger l'adversaire à monter. Mbappé. Et la place pour tenter sa chance. Bien plongé de la part du gardien. Le corner bien tiré. Et le ballon finit sa course dans les bras du gardien. Les stats nous montrent bien que ce match est complètement incontrôlable. Et c'est ça qu'on cherche dans le football. Cette folie qui nous emporte. Vamos! L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Avec Kylian Mbappé. Pour Alex Telles. Le ballon pour Kylian Mbappé. Attention pour mener au score peut-être. Avec de la puissance malheureusement de peu à côté. Valeur. Kaka. Ouais, le bon plongeon sur cette action. Première occasion depuis un moment. Corner. Le public y voit même l'occasion de prendre l'avantage. Évidemment que l'arbitre a vu la faute. C'est donc un coup franc. Oui, un peu d'espace. L'occasion d'avancer dans le couloir. Et ça joue avec Messi. Le ballon pour Forsberg. Ah, il faut tirer maintenant, attention. Et c'est au fond, goal. Ce but est crucial. Il est à quelques minutes de leur offrir la victoire. Mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. Eh oui, le duel est remporté. Touche. C'est pas fini. Peut-être une occasion d'égaliser sur cette dernière attaque. Ouais, pressé. C'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Pour Kaka. Ah, c'est parfaitement défendu ça. Piqué. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et la balle de match là. Quelle intervention, elle est hyper importante. Dedans, but. Allez, donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct et ça finit dans les bras du gardien. Gros pressing et ballon récupéré très haut. Ah non, complètement raté l'intervention. Oh, la faute et du coup un coup franc très dangereux à venir. Le ballon tourne bien mais ne revient pas assez vite. Ça se joue à quelques centimètres. Dans le couloir, les Azzurri qui peuvent avancer. En direction de Papin. Non, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Ballon pour Völler. Ah, c'était bien parti, mais la défense est vigilante. Et voilà le coup de sifflet final de l'arbitre. Elle renvoie donc tout le monde au vestiaire. C'est une victoire pour l'équipe visite. Une victoire avec deux.